Coucou tout le monde, donc aujourd'hui j'aimerais dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo sur mes favoris du mois de juin. Donc je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais faire tous les mois ou tous les deux mois, mais finalement je vais faire, je pense, tous les mois. Donc je vais commencer par ce qui est maquillage. Donc déjà, j'ai un produit que je vous ai montré dans mon vlog que j'ai fait en me maquillant. Donc il y aura certains produits de maquillage qui ont été présentés dans le vlog puisque j'utilisais les produits que j'aime bien en ce moment, donc qui sont dans mes favoris. Donc déjà, c'est une poudre Hydra bronzante de la marque Topi Crème. Donc c'est un truc assez gros quand même. Je crois qu'il n'y a pas de teinte. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas vu. Et donc c'est celle-ci. Donc vous avez un côté plus foncé et un côté plus clair. Donc comme ça, ça s'adapte à toutes les couleurs de peau suivant la saison, etc. Donc moi, je mets celle plus foncée ou alors je mélange les deux parce que celle-ci fait presque la couleur de ma peau, quoi. Elle est vraiment super bien. Elle a quelques irisés, mais ça se voit vraiment pas, ça fait juste un petit reflet super sympa pour l'été et je la trouve vraiment trop bien. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai un blush, donc c'est la marque Belle, c'est le Two Skin Pocket Pressed Rouge en teinte, je crois que c'est le numéro 053. Donc c'est un tout petit comme ça, déjà il est super pratique pour prendre en voyage et tout, sauf que le problème c'est que le mien ne se ferme plus, enfin il tient pas, donc ça c'est un peu chiant. Mais bon voilà, donc la couleur est vraiment trop jolie. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est une couleur vraiment super naturelle. Ça fait un rendu vraiment super joli. Ça ne doit pas trop, ça fait juste un naturel quoi. Et il est totalement mat et je trouve juste trop beau. Et je le porte pratiquement tout le temps en ce moment. Ensuite pour les lèvres, donc j'ai un petit baume à lèvres, c'est le EOS. C'est celui à la main, donc il est comme ça. Il est trop mignon je trouve. Il sent super bon la menthe et je trouve quand vous mettez ça fait un effet super frais et j'aime vraiment trop l'effet qu'il fait. Et il hydrate vraiment bien et il laisse pas un truc tout gras. Ce que je préfère mettre ce style de baume à lèvres avant de mettre un rouge à lèvres parce que ça fait pas d'effet gras et donc le rouge à lèvres tiendra mieux. Ensuite un rouge à lèvres de la marque belge et de la gamme Glam Royal, le numéro 74, donc c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ça. Donc c'est un satin lipstick à l'aloe vera, donc il est super hydratant. Et c'est celui que je porte, enfin, je sais pas si je le porte encore beaucoup parce que entre temps j'ai mangé du gâteau et j'ai gonflé des ballons pour l'anniversaire de Lily avec ses copines et tout, donc voilà. Et il est nude. Et elle est vraiment trop jolie, ça rehausse juste la couleur des lèvres, je le trouve vraiment trop beau. Ensuite j'ai un mascara, donc au départ je voulais pas l'acheter parce que je me disais c'est un effet de mode, tout le monde l'aime parce que tout le monde l'aime. Enfin, tout le monde l'aime parce que tout le monde en parle. Jusqu'au jour où je l'ai acheté, donc j'ai pris la miniature à 10€ pour pas acheter le format complet si jamais je l'aimais pas. Donc c'est le Zero de chez Benefit. Donc il coûtait 10€ et j'avais eu avec les moins 20%, donc il m'avait coûté 8€. Je pense que vous le connaissez. Hein. Et donc je l'ai testé et je le mets pratiquement tout le temps en ce moment. Il est vraiment trop bien, je comprends pourquoi tout le monde en parle. C'était pas juste un effet de mode on va dire, et il est vraiment trop bien. Et j'ai eu un autre petit format aussi dans la Glossy Box, du coup j'en ai deux et donc c'est trop cool parce que je sais pas si je l'aurais racheté pour 30€ quoi, mais en tout cas il est vraiment trop bien et je vous conseille vraiment. Ensuite on va passer aux soins, donc j'ai le Cleansing Eyes and Lips de chez Kiko, donc c'est un biphasé mais là il est un peu remué donc on voit plus trop le truc biphasé quoi, donc il faut le secouer et c'est pour démaquiller les yeux et les lèvres. Je sais pas si c'est waterproof mais en tout cas ça laisse un petit effet gras et ça démaquille vraiment super bien parce que le zéro je trouve qu'il est quand même assez dur à démaquiller et avec celui-ci ça se démaquille juste trop bien. Et j'aime trop le packaging en fait, tu viens hein, j'ai le même aussi en normal pas biphasé, il est vraiment bien aussi. Ensuite j'ai une crème pour le visage, c'est la gel crème régulateur zone T de la marque Rennes pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est un truc assez clean, la marque Rennes, il n'y a pas de parabène, pas de sulfate, pas de minéral, pas de silicone, pas de fragrance synthétique, enfin bref, plein de trucs qu'il n'y a pas, donc c'est plutôt naturel comme produit. Et je trouve l'odeur ça sent trop bon. Enfin, ça sent un peu des huiles essentielles naturelles je trouve,
et il hydrate bien et ça fait pas trop briller dans la journée, donc je trouve ça super. Donc ça c'est une crème que je mets le matin. Donc souvent je mets déjà une crème solaire et ensuite je mélange cette crème, par exemple une bébé crème, où je la mets juste toute seule et elle est vraiment super bien et elle hydrate bien mais sans trop graisser la peau, donc c'est vraiment un super produit. Ensuite j'ai un masque, donc c'est le nuage de crème à la guimauve, masque adoucissant de la marque Bella Croquet, peut-être que vous le connaissez déjà. Déjà il sent juste trop bon, on a envie de les manger et la texture en fait c'est un peu genre la guimauve fondue en fait. Et le truc c'est que je l'avais mis un coup, je l'avais mis le soir et je l'avais pas enlevé, je l'avais essayé, j'avais dormi avec. Et mes cicatrices étaient moins visibles. J'avais la peau toute lisse, toute douce. Enfin, c'est vraiment un super masque. Et il n'y a pas de parabènes et de phénoxyéthanol. Et 95% des ingrédients d'origine naturelle. Ça, c'est vraiment top. Et il est vraiment trop bien. Et vous pouvez le trouver en grande surface. Ensuite, pour les cheveux, j'ai le soin intensif 3 minutes Miracle Reconstructeur de chez Aussie. Redonne souplesse et brillance. Et je l'avais eu dans la Glossy Box. Et il sent trop. Donc déjà il est un peu rose, ils sont vraiment trop bons, c'est un chewing-gum quand on était petit, il y a un truc qui roule et qu'on déchire un peu et on a envie de le manger et ça sent juste trop bon. Je trouve déjà quand on est pressé c'est se mettre seulement en 3 minutes donc ça va super vite et en plus il laisse après une petite odeur sur les cheveux mais sans que ce soit trop entêtant en fait, l'odeur qui reste après c'est vraiment, j'adore, il est vraiment trop bien, ils sont trop bons. Ensuite j'ai un parfum, donc c'est le 3 l'impératrice de chez Dolce Gabbana. Il se présente comme ça et il est discontinué, donc ça je suis dégoûtée parce que je pourrais plus jamais le retrouver. Mais il sent vraiment trop bon, je trouve que c'est un truc parfait pour le printemps-été parce que c'est assez léger, sent un peu chose florale et j'adore. Ensuite vu que, comme vous savez peut-être ou peut-être pas, donc j'ai passé des épreuves de bac et pour réviser, j'adore manger en même temps. Donc ce que j'ai adoré ce mois-ci, c'est les Pringles. Donc là, c'est les originales, mais j'adore. Je les adore tous, en fait. C'est tellement meilleur que les chips normales. Donc je me mangeais ça en révisant. Et du coup, maintenant, il m'en reste un peu. Donc je mange ça en regardant American Horror Story. D'ailleurs, c'est une série que j'ai commencée hier soir. J'ai déjà regardé 4 épisodes et je la trouve trop bien, cette série. Je ne l'avais pas encore dans mes favoris parce que je n'ai pas encore vu assez pour vraiment dire si j'adore ou pas. Voilà, bref, donc j'adore ces Pringles. J'ai également mangé aussi des Skittles, donc j'ai ceux-là, donc il n'y en a plus. Et mes préférés, c'est les Confuse, donc les bleus. Je mettrai les liens, vous pouvez les retrouver, parce que personnellement, moi, je n'en trouve pas dans mes magasins. Et c'est vraiment trop bon, trop que j'en achète, j'adore. Ensuite, en toute mode, donc de chez Romwe, j'ai ce haut-là. Je sais pas si vous allez voir, en fait. Il y a un espèce de petit haut en dessous et ensuite c'est la dentelle, parce que la dentelle tout en dessous. Et du coup le haut qui est en dessous arrive à peu près au-dessus du nombril. Du coup ça fait genre un crop top mais qui descend jusqu'en bas après en dentelle. Et je vous montrerai porter. Il est vraiment trop beau. Et c'est un gros favori pour cet été. Ce mois-ci, donc elles sont trop belles. Elles sont comme ça. Les talons sont même assez hauts, mais vu qu'ils sont épais et qu'il y a une plateforme quand même pas mal grande devant, c'est assez confortable pour marcher. Et je les ai déjà gardées toute une soirée. Bon, après j'avais un peu des ampoules, mais en même temps je les avais gardées de 18h jusqu'à 5h du matin en dansant et en marchant. Donc c'est normal. Mais sinon, pour une journée de cours, je les ai déjà portées. Elles sont vraiment trop belles et elles font pas mal au pied. Juste, je les adore. C'est des gros coups de cœur. Ensuite, j'ai une musique que j'adore. C'est de Calvin Harris. Donc c'est Summer. Donc je vais vous faire écouter ça.
que vous la connaissez, elle est quand même assez connue comme chanson. Et sinon, il y a aussi Dare de Shakira. Donc c'est la musique qu'elle a fait pour la Coupe du Monde. C'est assez commercial comme musique, on va dire, mais j'ai beaucoup aimé l'écouter en ce moment. Et ensuite donc une application, donc c'est l'application 7 minutes. Donc en fait c'est une application qui vous permet de faire 7 minutes de sport, donc vous pouvez la refaire tous les jours et c'est vraiment assez rapide et ça vous met des exercices assez variés et je trouve ça vraiment trop trop bien. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc quand vous verrez cette vidéo, moi je serai pas encore en vacances mais je pars samedi 5 juillet. Et donc je vous ai programmé des vidéos. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Bye bye.